Salut tout le monde, c'est L2O et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play sur First Light Infamous, ou plutôt Infamous la version First Light. Donc c'est une version qui est sortie après le premier Infamous, donc avec le mec, et cette fois-ci c'est avec la meuf. Donc je ne connais pas du tout l'histoire, je ne peux pas vous dire sur quoi ça va parler, et je vais pas pouvoir dire « Oh putain, mais c'est ça en fait, oh non !» Enfin voilà quoi, vous avez compris, vu que je connais pas le premier opus. Le second, donc celui-ci, était après réduit, donc va savoir pourquoi. Sur ce que j'avais vu quand je voulais l'acheter, d'ailleurs je suis content de ne pas l'avoir acheté, c'est encore ça, un achat inutile dont je suis fier de ne pas avoir succombé à cette putain de tentation, car ouais, j'ai déjà dépensé 15€ pour le Monopoly Plus, comment vous dire, je sais pas vraiment si ça va beaucoup me servir. Enfin voilà, peut-être qu'on fera une vidéo d'ailleurs là-dessus, ça pourrait être marrant, il est en 3D et tout, je pense que ça pourrait être kiffant. Bref, ça ce sera pour un autre jour. Donc on va tester le Infamous, il était moins cher que le premier. Donc je sais pas si c'est la longueur qui est plus courte du jeu, enfin de l'histoire et compagnie, ou si c'est la qualité qui est moins bonne. Si la qualité est bonne, on pourra peut-être voir pour se faire un let's play entier. Bon, c'est pas sûr parce que j'en ai déjà plusieurs en cours et il y en a plein que j'ai pas fini et que... Enfin c'est même pas que je les ai pas finis, c'est qu'ils sont complètement à l'abandon limite. Donc ça me ferait un peu chier d'en faire un autre pour au final le laisser à l'abandon et le finir plusieurs mois après comme les autres que j'ai déjà commencé. Donc vous allez quand même me dire si ça vous intéresse ou pas dans les commentaires. Si ça vous intéresse, là par contre je le ferai à coup sûr. Donc allez, c'est parti, on va le lancer. Je l'ai toujours pas lancé, je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Déjà juste cette petite image, ça me fait bien kiffer. J'espère juste qu'il va pas y avoir de putain de mise à jour ou de téléchargement là. Pas de petite cinématique là pour le début du jeu. Que dalle. Juste un espèce de... Enfin, j'allais dire un chauve, mais non, un mi-chauve avec nous. Mais qui es-tu? Si je me rappelle bien l'autre, enfin... Je sais même pas quelle tête il avait, le personnage principal, dans le premier jeu, parce que... Il avait une capuche, si je me souviens bien. Donc, nouvelle partie, on peut choisir, on va mettre en facile, parce que je suis un noob. Il y a 7 ans, une poignée d'individus surnommés porteurs, capables de manipuler une forme unique d'énergie, fit son apparition. Suite à une série d'incidents mortels, le DUP département de l'unité de protection fut créé afin de capturer les porteurs et de les placer dans le centre de détention de Curdent Cay. Ok. Ils auraient pas pu foutre une putain de voix pour m'éviter que je le dise à voix haute comme ça. Merde quoi, ils font chier. Je comprends pourquoi il était moins cher en fait. Je sais que c'est dur. Ce qui est arrivé est inimaginable. Mais pour vous aider, je dois savoir plus. Mademoiselle. Faites ! Allez, dites-moi ce qui s'est passé. Ok. Mes parents m'ont dénoncé quand ils ont appris que j'avais des pouvoirs. J'étais... dévastée. Mais mon frère, Brent, m'a jamais laissé tomber. Il m'a prise par la main et on s'est enfui. On a passé plusieurs années dans la rue à faire profil bas, sans jamais se fixer nulle part. On a fait des choses discutables pour de l'argent. Mais le job qu'on a accepté avant de quitter Seattle, c'était pire que tous les autres réunis. Allez, quoi? C'est la dernière fois. Tout y est. On peut y aller? Non, cette fois c'est le jackpot. Combien? Assez pour louer un bel appart. Ah ouais. Ouais. Assez pour un chat sacré de Birmanie. Hein? C'est mesquin. Assez pour un nouveau départ. On en a besoin. Merde, baisse-toi, baisse-toi!
C'est des flics. Bon, planque-toi. Je fais diversion. Attends. Fais ce boulot et on part cette nuit. Personne ne nous retrouvera, hein. Ouais, dès que... Non. Non, n'utilise pas tes pouvoirs. Je vais tuer personne. C'est ma part du boulot. Ok. Toi. Stop. Regarde-moi. Allez, lève les yeux. Oh, c'est vraiment nécessaire. Ah, je joue. Procédure en cours. Allez, petite, par ici. Option d'inversion. J'ai pas eu le temps de lire. Putain, et la qualité est géniale. Faut que je le rappelle quand même. Ce jeu, donc là on est en janvier, hein. Ce jeu est gratuit sur le PlayStation Plus. Ok. Donc téléchargez-le. Franchement ça vaut le coup. T'as vu un gosse avec une crête sur les docks? Si je fouille ton rafio, on peut le trouver. Attendez! Vous voulez voir un truc? Tu veux lui montrer tes seins ou quoi? Un néon pour couvrir. Pourquoi? Ah trop génial! Faire d'autre. Votre pouvoir de guérison rapide faiblit, fuyez. J'ai un pouvoir de guérison rapide. Brent m'a toujours poussé à cacher mes pouvoirs. Il disait que si les gens apprenaient qu'un porteur était en ville, il y aurait une nouvelle chasse à l'homme. Mais cette nuit-là, j'étais pas inquiète. J'allais utiliser mes pouvoirs pour faire le boulot. Et on partirait tous les deux. On serait déjà loin quand le DUP se pointerait. Génial. Les points roses, faut y aller. Oh, génial. Tout le saut, tout. C'est quoi les points roses? Là, je vois des points roses, mais... J'aime bien la petite épée comme ça là, c'est super bien fait je trouve. Il va falloir suivre les... Alors les points bleus, attendez. Je peux pas suivre ça. Ah merde, non c'est des flics donc non. Je peux me battre avec les points pour le moment apparemment. Un moyen de courir plus vite encore. Quel flic ? C'est énorme parce qu'en fait on voit rien. Et dès le moment où elle se téléporte, ça illumine tout. C'est génial je trouve. En plus les graphismes sont plutôt pas mal. Enfin je trouve ça assez joli. Enfin, j'ai envie de dire le violet c'est ma couleur préférée. Donc direct, ça paraît vachement classe quand je vois ça. Putain, ma manette téléphone. Attendez, je décroche. Brent, ça va? Ouais, ça va. Mais dès que t'as commencé à briller, toute la ville est devenue scintée. C'est trop dangereux, on doit partir et vite. Le DUP arrive. Tu voulais prendre un nouveau départ? Et tu sais que je veux ce chat. Dis-moi quelle est la mission, et je m'en occupe. D'accord. Mais fais vite. C'est la barre entre la troisième et Stone. Entre et chope le sac rouge. Ok. Y'a quoi dans le sac? Récupère-le. Et on se casse avec un bateau chargé de briques. Ça me plaît, ça. On va s'en tirer, frérot. T'as toujours un train d'avance sur eux. Fais vite. Je me le pardonnerai pas si tu te retrouvais dans une cellule du DUP. Ouah, c'est classe. Eh, hey, mais moi aussi, je ferais tout ça pour un chat. Hein. Putain, surtout son genre de chat, là. Je sais plus ce que c'est le nom, mais ça a l'air stylé, hein. Oh, mais on peut... Ah, mais... carrément volé de bâtiment en bâtiment.
Ça me surélève à chaque fois. Par contre, je sais pas si on peut nager dans la flotte. Bon, c'est juste une petite flaque, hein. C'est pas de la flotte en fait. Ouais, on va continuer tout droit. Putain, on peut pas rouler des bagnoles ou je sais pas, parce que là ça commence à faire loin quand même. Triangle, ça me sert à rien, donc je peux sauter avec croix. Combien de fois? Autant de fois que je veux, mais en fait ça me permet de ah, peut-être pas. Ouais, non. 1, 2, 3. 4. Ah, ça je savais pas. Bon bref, c'est ici. Ah, pourquoi sur les murs? Ah, ça c'est bon. J'aime. Ouh. Putain, mais... Ah, mais ils m'ont demandé de monter sur les murs pour ça. J'adore. C'est fermé. Alors, utiliser l'éclair lumineux. Ah putain, j'ai pas le temps de lire. Toc toc. Pardon. Okay. On a dit pas de témoin. Tu l'as. Non merci. Oh, le massacre. J'ai l'impression d'avoir un bazooka dans les mains. Mais limité. Oh, il y a tout qui se défonce là-bas. C'est moi ou elle recharge à un moment donné? Ah ouais. Appuyer carré pour donner... Ramasser... Oh putain, c'est génial. Un jeu gratuit comme ça, non mais sérieux. Oh là là. J'en ai rêvé toute ma vie. Après Outlast, ça fait rêver. Hein. Parce que j'avais d'abord eu Outlast gratuitement et j'avais franchement kiffé. Et là, celui-là. Ouh ! Ça va faire boum ! Tactile pour absorber les sources du néon. C'est bon. Ok. Hey, tu vas bien? Tu y étais? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un courrier de Russes qui dansait autour d'une bombe. Merde. Les Akula. Ils l'ont trouvé. Qui ça? Mon boss. S'ils savaient pour l'appart, ils sauront pour le bateau. On doit partir. Vite. Ok. Fais tourner le moteur. J'arrive. Désolé pour tout ça. Vraiment s'offrir ce chat bien. Je sais. Ah ouais, le chat. Ah, j'ai un autre appel. N'approche pas du bateau. Les Akula attendent dehors. Ils sont armés. Quoi? J'arrive. Non, si tu fais une crise de panique près de ces types, ils vont me tomber dessus. J'ai la situation des mamans, t'inquiète. Maintenant raccroche et va te cacher. Est-ce que je peux passer par la flotte? Ah, regagner le rivage. Putain, ça s'est mal fait par contre. On aurait dû pouvoir traverser. Ah. Oh, bah c'est cool, ça m'a TP directement là. Oh, sérieux, ils ont fait péter le petit frère. Brent! Sous un pont pour s'abriter de la pluie. On a lu des comics à la lampe torche jusqu'à ce qu'on s'endorme. Et puis,
Ce type a essayé de nous voler le peu de choses qu'on avait. Et j'allais lui faire payer très cher. Mais cette nuit-là, on a fixé les règles. Règle numéro 1, pas de pouvoir, quoi qu'il arrive. On risquait de perdre du matos. Mais Brent voulait pas qu'on se perde, nous. Mais j'ai utilisé mes pouvoirs. C'est ma faute s'il n'est plus là! Ma faute! J'ai disjoncté! Ces absences du monde réel m'ont changé. Je revenais avec d'autres pouvoirs comme si mon corps voulait se battre, mais mon esprit... Non. Vous avez bien coopéré, mademoiselle. Faisons une pause. Vous pourriez me montrer l'état en est de votre fracture mentale. Je croyais que vous vouliez contrôler vos pouvoirs. Nous sommes là pour ça. Je sais pas. La dernière fois, je... Tentons quelque chose de plus simple. J'observerai vos progrès de là-haut. Surtout, n'essayez rien de stupide. Je connais que ça. Non, mademoiselle. Vous êtes toujours là. T'as raison, je vais te faire péter tout le bâtiment, tu vas voir. Allez, une petite zone d'entraînement, ça c'est cool. On va pouvoir contrôler le perso. Tout le monde a des points faibles. Il suffit de les chercher. L2 pour zoomer et réveiller les zones de faiblesse. Ah, voilà. C'est un début. Mais le monde ne va pas vous attendre. Il faut agir vite. Suivez vos instincts. Il y a un temps. C'est peut-être un temps par rapport au point faible, je sais pas, non, même pas. Ouais, ça dézoome un peu, je pense, c'est tout. Pas mal, mais vous venez de commencer. Vous voudriez peut-être des cibles un peu plus pertinentes. Impressionnant, n'est-ce pas? Ces hologrammes ont l'air réels à tout point de vue. Maintenant, je dégomme pas de trucs à l'aveuglette, ok? Oh, Eugène, le porteur qui a créé ces hologrammes ne vous en voudra pas. Pourquoi faire? Le but est de survivre. Pas que pour vous, mais pour ceux qui ne peuvent pas se défendre. Allez, protégez-le. Ravi de voir que vous avez encore de la rage à revendre. Espérons que vos sens soient aussi... Il y a quelques petits défauts, mais sinon ça va. Leur tourne. Visualisez trouvez vos alliés et sauvez-le. À travers les murs en appuyant sur L3. Montez là-haut. Eugène en fera un autre. Oh, il est mort. Je l'ai sauvé. Bien joué. J'ai caché un deuxième otage à proximité. Cette fois-ci, vous allez devoir vous déplacer rapidement, ou il mourra dans d'atroces souffrances. Merci, madame. Sur ce poste. Essayons autre chose.
Vous avez terminé un défi, appuyez sur option pour voir le menu pause. Merde, c'est la option. Trois otages sauvés, 10 otages sauvés, ouais ok, croix continuer. Appuyez sur L2 pour accéder à l'écran des améliorations. Ah, c'était un SP, c'est des points de compétence, ok. Oui, ok. De toute façon, j'en ai qu'un, donc je peux choper que ça. Ça, c'est quoi? Saut photonique. Photonique. Pour reprendre la partie. Attends, maintenez rond pour enfoncer à la vitesse lumière, puis appuyer sur croix pour bondir dans les airs. Ok, donc ça va permettre de faire ce que je voulais faire tout à l'heure. Voilà, un saut pendant que je suis en vitesse lumière. Ça, vous avez assimilé cool. Les bases. Mais êtes-vous tenace, mademoiselle Walker? Face à un défi de taille, est-ce que vous vous battez jusqu'au bout ou est-ce que vous vous tirez dans un coin? En garde, mademoiselle. Vous devriez vous dépêcher. Ce nouvel otage a l'air... Sérieux, ils ont une grenade, les cons. Ah, stylé ça. Otage en approche, il est où? Il est là. Et voilà encore une autre victime qui a... Ça n'arrête pas. Je crois que ça ralentit le temps quand je vise comme ça. Drainer le démon. Allez hop. Draine, bordel. Bon. L'otage en approche. Il est juste en dessous. Voici venu une nouvelle arme sans défense. Et là, peut-être. Tire-toi d'ici. Ouais, le temps ralentit quand je vais essayer. Ça, je l'avais pas remarqué tout à l'heure. Hop. Je vais rester en hauteur. On peut traverser les tours ou pas? Non, je peux drainer le néon. Voilà. Vague 4. Approcher. Là-bas, il y a du peuple. Vite, jeune fille, voilà un autre tâche. Vous n'aimeriez pas te donner sur le point. Hop. Plus que deux. Ah, il y a du monde là-bas. Là-bas. Là. Hop. C'est stylé, je trouve, le combat à main nue. Ça fait bien kiffer. Il y a un otage là-bas. Vite, vite, vite. Il doit être en haut. Suis-je trop gentil avec vous ?
va y remédier. Voilà. Je dirais que vos performances de sauvetage ont été acceptables sur cet exercice. Nous tenons le coup. Tu veux te fighter les ou quoi? Les exploits des autres porteurs sont affichés pour attiser votre esprit de compétition. Je reste disponible si vous voulez vous entraîner. Peut-être avez-vous envie de les battre? Moi, je sais pas. Non, c'est cette touche. Arène Alpha, ouais, ok. Mais y a pas autre chose là. C'est assez pour l'instant. Asseyez-vous. J'aimerais que vous finissiez de raconter les événements survenus à Seattle. Après toute une nuit à semer le chaos en ville pour retrouver mon frère, j'ai fini par rejoindre notre bateau. C'est là que je l'ai rencontré. Lui aussi cherchait Brent. Excuse-moi, ma belle. Dis-moi, t'aurais pas vu un gars avec une crête iroquoise dans le coin ? Attendez, vous connaissez Brent ? Vous êtes avec les Russes ? Les Akula ? Oh non ! Ce sont eux qui ont fait ça ! Bordel ! Y'en a marre qui kidnappe mes employés ! Hey ! Vous savez où il est ? Vous pouvez m'emmener ? Du calme, ma jolie. À ta place, j'irais pas fourrer ma jolie petite gueule dans ce merdier. Je sais pas ce qu'il y a entre Brent et toi, mais... C'est mon frère. Aidez-moi. Ton frère ? C'est toi, Fetch ? Je suis Shane. Shane. Brent m'a jamais dit que sa sœur était une aussi jeune nana. Allez, dites-moi où chercher. Quartier Est, surtout. Merci. Si quelque chose vous revient, appelez-moi sur le portable de Brent, d'accord ? Ouais, ok, comme tu veux, ma jolie. Je compte sur toi pour régler cette histoire, d'accord? Pereur. Cette ville va bientôt rencontrer la vraie Fetch. Et pour ça, il me faut un max de néon. Monter sur le panneau lumineux. Ah, je sonne. Salut, Fetch. Je suis en train de me renseigner. Mais en attendant, les Akula vont tirer à vue. Va vite falloir trouver une piste. Ok. Je suis déjà à la recherche de Néon. Oh, minute, papillon en lumière. J'ai rien contre le fait de s'en faire, mais on sait vraiment... C'est un truc que j'ai appris dans le New Jersey. Le Néon me permet de courir à toute vitesse. Ah ouais? Bon, je te crois sur parole, porteuse. Je me demande combien d'autres années cachent dans la manche. Ouais. Elle est assez grande. Vas-y, crash! Allez, petit nuage. C'est l'heure de te rendre utile. Mais qu'est-ce donc? Des boules rouges. Récupérer des flux lumineux pour gagner des points de compétences SP. Super booster. Et où le deuxième il y en a? Bon, j'ai besoin d'un max de puissance de feu. Ça, ça peut être cool. Putain, mais on en gagne plein d'un seul coup là. Ok. Oh, un gros. Et qui bouge. Elle est où? Fetch, chérie. C'est à toi qu'on veut le feu d'artifice, Brent l'a dit. Je t'ai dit que j'avais besoin de lui. Concentre-toi sur Brent. Oh, pour la discrétion, on passera. Tu sais, je pense que tu ferais mieux de me rejoindre ici, pendant que je tape le terrain pour progresser. Sur les Akula, bien sûr. Elle est où, cette petite lumière? Elle a dit qu'il y en avait une qui bougeait. Accéder à la course. Putain, mon gars, mais
J'ai 10 jambes d'acier, c'est pas... Ah, bah ça, la course qui va y en avoir une. Alors, avant, je vais faire ça. Donc, on avait dit L2. Non, encore, ça, c'est les défis. En gros, c'était l'autre. J'en ai 4. Alors, capacité de drainage lumineux. Augmente la capacité d'énergie lumineuse de 25%. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème par rapport à ça. Tir rapide, maintenant R2 pour lancer une série d'éclairs lumineux. Ça peut être sympa. Bon, pour 8, je peux pas. Coup fatal en mêlée. Une fois à portée, appuyez sur triangle pour foncer vers l'ennemi et lui asséner une puissante attaque. Vaincre un ennemi grâce à un combo de mêlée standard rechargera vos coups fatals. Ok. Concentration mire. Ah, ça peut être génial. Ouais, ça qui dure plus longtemps, ça pourrait être sympa. Du coup, je sais pas si je dépense ou pas. J'avoue que le coup fatal en mêlée, ça pourrait être... Ouais, allez, juste pour vous faire découvrir et pour découvrir moi aussi. Je suis gentil, hein, je pense à vous. Pardon. C'est quoi ça? Plein de petits points lumineux là. Regardez, là aussi. C'est quoi ce petit foin? Ah mais non, les petits points violets, d'accord, c'est ça. Par contre ça, je sais toujours pas à quoi ça sert au final. On va aller faire la course. Charger rond à travers les nuages lumineux pour attraper le lumen. Commencer la course. Fond les ballons grâce à ces nuages. Toi, mon gros nuage de néon, tu passes à la casserole. Ouais. Je vois à peu près ce qu'il faut faire. Viens là, mon gros. Calme-toi, chérie. Ah ouais. Ça y est. Deux. Ils sont meilleurs quand ils courent. Ok. Pour voir le menu pause. Vous pouvez voir les objets collectés. Ok. Lumens de ce type dans le quartier indique les gens situés à droite. Course de Lumens. 1 sur 4. Tag lumineux 0 sur 1. Course de Lumens. Terminez les quêtes secondaires de la carte pour remporter des points de compétence servant à acheter des améliorations. D'accord. Ça peut être vachement utile. Bouge. Là, viennent vers moi. Où est Brent? Aucun d'entre vous parle français? Vaincre des ennemis accule de l'énergie pour les attaques spéciales. Oh, la doublette! Il est prêt. On va chercher lui. Ok, bande de nazes, c'est parti. Une fois suffisamment d'ennemis à terre, vous pouvez déclencher une singularité lumineuse. Test donc. Ok. Tu es 50 à coup là, 16 sur 50. Mission accomplie, libérer le néon. Sympa. Fetch, ma chérie, je viens de tâter du doigt quelque chose de lourd. Les Akula vont recevoir une énorme cargaison d'armes. Aide-moi à les voler et je détache 50 hommes armés dans l'heure pour retourner la ville à la recherche de Brent. Génial, merci. Et arrête de m'appeler ma chérie. Tes fantasmes regardent que toi. Bon, passons à la suite. Allons, je te signale que certaines femmes me trouvent parfaitement irrésistible. Surtout celles que tu payes. Bon. Retrouve-moi dans la ruelle derrière la sandwich Rignat quand tu seras prêt à voler les armes, ok? Ciao. Nous on va aller se faire quelques points de compétences avant d'aller là-bas. Comme ça on va faire Mumuse. J'espère que le let's play va pas être trop long. Utilisez le néon pour créer un tag lumineux. Ok, déplacez la manette et maintenez R2 enfoncé pour tirer sur les nuages lumineux.
C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais ça va. Tu peux toujours essayer, mais t'auras pas le dessus. Plus 2, cool. Petite lumière rouge, qu'est-ce que c'est ça là-bas sur la carte? Là, il y a une lumière rouge. Pile poil sur moi. Alors qu'est-ce que c'est? Oh, je vois. Toi, pour te choper, ça va pas être simple. Oh, trop stylé. Hop. Pour la choper, elle. On va se mettre comme ça. Ah, c'est le bordel. Hop. On va faire comme ça plutôt. Ah, là, elle est plus proche déjà. Ah là là, il y a tout qui me gêne. Oh non, j'étais dessus, c'est dégueulasse ce jeu. Là. J'en chie. Si je prends les lampes par ici. Là. Plus un. Putain, il y en a un peu partout. Ça c'est peut-être pour une course. Ah non, on peut les utiliser absolument quand on veut. Ah putain, j'ai cru que le petit truc rouge là c'était un Lumens, mais non. Il doit être par ici. Où ça exactement? J'arrive pas à s'enrouler. Hop, les attends. J'ai rêvé. Ouais, j'ai rêvé. Ici. Peut-être qu'en faisant tout simplement ça. Ah, ça va être chaud quand même de choper celui-là. Hop. Putain, elle s'attrape au truc limite à l'Assassin's Creed, tu sais. Fait des mouvements plutôt pas mal. Il y a des quelques trucs qui sont pas super, qui sont pas vraiment au point, mais franchement, il claque quand même bien assez comme ça ce jeu. Moi j'aime bien. On va aller se faire un petit tag là-bas, je sais pas combien je suis exactement. Ça sert absolument à rien ces tags, mais ça donne des espoirs. Et on va aller faire la petite course qui est là-bas. Coucou. L'état quand même ça. Ah, en plus elle s'amuse à aller un peu n'importe où elle. Et si je passe pas bien dans le truc, ça, je chope pas le boost. Vas-y là je chope. Ouais, c'est bon. 5 améliorations, vous possédez 10, c'est bon, ça suffit 10. Allez, amélioration. Donc, qu'est-ce qu'on se prend cette fois-ci? Capacité de drainage lumineux, tir rapide, après c'était quoi? Lancer des éclairs 50% plus longtemps. Rond, lorsque Fetch est en l'air, la propulsera en avant. Ah,
ça peut être sympa, mais c'est augmenter le nombre de munitions du coup fatal en mêlée de 2 concentrations. Ouais, on va plus choper ça. Ralentit davantage de temps lors du zoom L2. Hop, allez, on va continuer, on va faire une petite dernière mission, on va y aller. Avant d'éteindre ce magnifique let's play découverte. Franchement, il est sympa comme jeu. Je suis bien content de l'avoir téléchargé. Quand même à les toucher, hein. Là-bas il y en a. Là. Alors, grenade droit devant. Vite, fais quelque chose. Je le vois pas. Non, lui. Je sais même pas si je l'ai eu. Non, là. Il est pas bon ça. Ah, on est coincé. J'abandonne le camion. Couvre-moi, je pars! Non! Tu te calmes, je dégage la route! C'est pas si simple que ça, buter. Là. Ah merde, il en reste un. Boum! Dans la tronche. Détruisez le barrage de véhicules. Ah non, ils ont juste truc. Je me demandais juste si on pouvait pas choper de l'énergie sur eux pour faire l'attaque suprême. Bon, ça passe. Oh non. On pourrait se planquer un peu. Ça me permettrait de recharger les batteries. D'accord. Je connais l'endroit idéal. Ah merde. Bon, la voie est libre. Go. Ah, oh, c'est de la folie. Wow, je tiens à côté. Où est-ce qu'ils ont dégoté leur permis? Tu vois? C'est pour ça que personne ne vous a... Essayez de couper par le parc. J'aimerais bien que ces explosions là, lumière, elles fassent quand même quelques dégâts de, je sais pas comment dire, de, comme les lance-roquettes, ça fait des dégâts autour, on va dire. Le souffle. Non, c'est même pas le souffle, je sais pas. Ça pourrait être un peu plus sympa dans tous les cas. Là, il y en a deux autres. Ces types, abandonne pas. T'as une idée? J'ai un plan pour suivre. Mais tout est une question de timing. Ouais, tu es prêt avec le bus? Je te vois. J'arrive. Un bus? C'était qui? C'était sacrément bien pensé. Eh ouais. Des fois, tout marche comme prévu. Alors, comment ça se fait que je t'ai jamais vu aux infos? Une porteuse aussi puissante, ça doit être l'ennemi
public numéro 1. Brent me recadre. Il m'aide à faire profil bas. Bon, c'est terminé. On décharge ici. Ça me va très bien. Ouais, on fait une sacrée bonne équipe tous les deux là-dehors. Imagine ce que ça donnerait au pieu. Équipe tes hommes et envoie-les chercher Brent. Ou je te le fous dans le cœur, ton pieu. Ok. C'est quoi ces mecs? Et si je te disais que j'avais déjà lancé des indics? Alors, je te frangins. Je te transmets leur position, ils vont être déjà dans une épice. Une seule phrase et tu remontes dans mon estime. Comment tu fais ça? Ah, on est texan ou on l'est pas. Mec à main armée juste là. Normal. Toi t'es un civil. Notre mec à main armée, je sais pas où il est passé. Bon là il m'a demandé d'aller faire un autre truc, mais je vais pas y aller parce que la vidéo j'imagine que ça fait déjà pas mal de temps qu'elle est en train de tourner. Stop là, je vais m'amuser vite fait. Voilà, il est beau ce jeu quand même, il est beau. L'histoire a pas l'air sans sas, mais... Enfin, quoi que pour le moment, ça va, j'aime bien quand même l'histoire, le fait, voilà, hein. C'est assez basique, mais c'est sympa, je trouve. Le fait de se protéger des flics et compagnie, de pas se faire balancer, de rechercher son frère, de faire des boulots un peu malsains pour gagner sa vie. Ça pourrait être sympa. Donc moi, je vais vous laisser sur ça, hein. J'ai rien d'autre à faire de toute façon, à part la mission, bon, ça va durer encore plus longtemps. Donc si ça vous intéresse d'avoir quelques let's play de ce jeu ou d'avoir un let's play complet de ce jeu, dites-le moi dans les commentaires et je le ferai. Sinon j'hésiterai peut-être, ça dépendra de mes envies, car je fais surtout les jeux pour moi, vu que c'est une chaîne passion jeux vidéo, hein, où on regroupe tous les jeux que j'aime. Et que je vous partage bien sûr mes impressions sur tout ce que je fais, sur tout ce que j'aime, sur tous mes délires. Donc voilà, moi je vais vous laisser sur ça. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo si vous l'avez aimé. Et ciao tout le monde.